Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous faire une recette turque que j'ai revisitée. C'est une recette qu'on peut faire pour cette période estivale. Elle est simple, très facile à préparer et délicieuse en même temps. Donc, pour les ingrédients, il nous faudra, s'il vous plaît, 350 g de farine. Ou pour vous faciliter la tâche, je vous les mesurer comme ça en verre. Donc les verres qui prennent, les verres à eau qui prennent 250 ml de liquide. Vous avez deux verres ras comme ça de farine. Et dit ou comme un demi verre de lait qui est 150 ml de lait. Le fond d'un verre, un cinquième de verre d'huile de lait. C'est 30 ml d'huile, 150 ml de lait et 350 g de farine. On aura besoin aussi, s'il vous plaît, d'une cuillère à soupe de levure de boulangère. مغرفة كبيرة تاع الخميرة, خميرة تاع الخبز, مغرفة كبيرة تاع السكر, une cuillère à soupe aussi de sucre. Même pas une demi-cuillère à café de sel. Donc même pas نص مغرفة تاع الملح. مغرفة تاع الخل, une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Et là, j'ai 70 g de crème fraîche. Après, vous pouvez soit utiliser de la crème fraîche, soit utiliser un demi-pot de yaourt. Donc là, j'ai fait tiédir le lait et la crème fraîche. Regardez. Quand vous faites le levain, la température du lait ou de l'eau doit être juste tiède. Parce que si c'est trop chaud, parce que c'est des bactéries, les levures, la levure sèche de boulanger, c'est des bactéries. Donc si c'est trop chaud, le liquide est trop chaud, ça ne se développe pas, ça les tue. Si c'est froid, ça ne se développe pas. Il faut que ça soit tiède. Je mélange la levure et le sucre, bien sûr. Je couvre et je laisse environ 5 minutes. 5 minutes de repos. Je remélange, je rajoute l'huile, donc une harik chouïa. Nous aide à aller au 30 ml de zit, la cuillère à soupe de vinaigre blanc, le mel, le sel, et je vais rajouter peu à peu la farine, les 350 g de farine. Je rajoute le deuxième verre. Je vais la rassembler et je vais la pétrir environ, même pas 5 minutes. Regardez la consistance de la pâte. Je vais la couvrir et je vais la laisser lever. La pâte, elle est en train de se développer. Je vais préparer la farce. Il nous faudra pour les ingrédients, s'il vous plaît, un gros oignon que j'ai découpé préalablement comme ça, très fin. Il ne faut pas râper, hein, il faut découper. Deux gousses d'ail. Je vous que j'ai émincé, un poivron rouge que j'ai découpé aussi en petits, un poivron vert pour faire le mariage de couleurs. Donc tout est découpé en petits, hein. J'ai rien râpé du tout. 250 g de viande hachée, 250 g de l'hammerhi, filfla khadra, filfla hamra, ma'adnous, du persil ciselé, un piment fort, filfla hara. Ça, c'est facultatif par contre. Hein. Une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, même pas un quart de cuillère à café, et une cuillère à café de coriandre en poudre. J'aurai besoin aussi, pour faire revenir cette farce, de 4 cuillères à soupe d'huile, d'huile d'olive de préférence. Je vais faire revenir tout ça et je vais laisser refroidir. En premier, je vais faire revenir l'oignon, l'ail et les poivrons. Une fois que les oignons et tous les légumes seront attendris, je vais rajouter la viande hachée et les épices. Dans la pâte, je vais la dégazer et je vais la découper. Vous avez le choix entre des mini galettes comme ça ou une grande galette. Il faut faire juste des petites boules comme ça, toutes petites. Hein. Je vais faire aussi une grosse galette, une grande galette comme ça. Donc je vais laisser un peu de pâte pour la galette. Ces deux-là, une pour le bas et une pour la couvrir. Je vais l'étaler. Je
Le papier cuisson, c'est pour vous aider à l'étaler un peu plus que le rang de papier cuisson qu'il y a en bas. Je vais déposer un peu de farce ici. Déposer quelques noisettes de fromage. Mettre un peu d'eau comme ça. Je prends le deuxième disque que j'ai étalé juste sur le bord du papier cuisson. Voilà, pour qu'il soit un petit peu plus petit que celui d'en bas. Donc, j'enlève le papier cuisson. Je vais faire monter ces bords-là, comme ça, pour fermer. Voilà. Et je la mets dans une poêle que j'ai préalablement préchauffée. Vous huilez avec soit une huile végétale, soit une huile de table, soit du beurre, carrément. Légèrement, bien sûr, et vous la faites dorer des deux côtés. C'est la même chose pour les petites. Et c'est le même procédé. Le résultat final, vous avez le choix entre les faire comme ça, en mini galettes, pour les prendre avec vous, pour une sortie, pour la plage. Regardez. C'est... voilà. C'est très très bon. Donc, une colcom, salam alaikum. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.